Attendra. Cette femme ne mérite pas ça. Arrête de courir, chienne, ou je te tranche les deux oreilles. Mon Dieu. Merci, mon Dieu. Désolée. Je n'ai rien à t'offrir, si ce n'est ma gratitude. Je n'attends rien d'autre. Enfant, j'ai dû fuir le même sort. Pourquoi as-tu risqué d'être repris ? Les hommes de principe savent que le seul vrai danger est de fermer les yeux. Je cherche Bastienne Joseph. Tu la connais ? Si je la connais, bien sûr que non. Mais n'importe quel gentilhomme peut te conduire à elle. Pour lui, c'est trop tard. Tu en trouveras un autre en ville. À mon tour de te remercier. Tu as un endroit où aller ? Ma famille m'attend dans les montagnes. Derrière les montagnes, il y a d'autres montagnes. Que Dieu soit avec toi. Personne ne mérite ça. Fait tout ce qui est en son pouvoir afin d'assurer votre sécurité. Arrête-toi. À ton tour d'aider tes frères et sœurs. Bien du plaisir, monsieur. Et soyez rassuré, ce n'est pas moi qui vous ferai concurrence. J'ai le cœur trop faible. De l'excellente qualité. Il y a longtemps qu'on n'en a pas vu de pareil.
L'argent. Est-ce que je... Inutile de chercher plus loin. Ces esclaves sont en bonne forme. Tout n'est corrigible. Ah, parfait. Ces bêtes sont en parfaite santé. Est-ce que je vous ai déjà roulé? J'ai le grand regret de vous annoncer que deux membres de la garde ont été tués hier soir près du bassin de Port-au-Prince. C'est dans son sang. On soupçonne un acte des marrons. Si quelqu'un détient des informations relatives à ce déplorable événement, qu'il en avise immédiatement la garde. La famille et les amis ont été détenus pour l'instant à conserver l'anonymat. Vous me demandez de trahir ? Pour le bien des esclaves. Monsieur le gouverneur, se révolterait-il s'il se sentait en sécurité à la plantation ? Bien sûr, c'est dans leur nature bestiale. La violence est la seule chose qui les motive. Comme l'argent pour vous. Si vous tenez à protéger vos amis africains, faites passer le mot. Et faites en sorte qu'ils se calment, sinon... Inutile d'en dire davantage. Je sais de quoi vous êtes capable. Contremaîtres ont le droit de les châtier comme bon leur semble. Cela ne sera pas nécessaire. Je transmettrai votre message. Mais cela coûtera cher. Nous en profiterons tous les deux. Puis-je vous offrir un autre de mes services, gouverneur ? Un vieillard comme moi. Je dois dire que Guzan m'a déjà épuisé. Alors je ne vous retiens pas. Madame Joseph, vous attendez un paquet ? Oui, mais pas venant de ta part. Où est l'amiral ? Je vois. Et est-ce que tu penses me faire subir le même sort ? Jette un coup d'œil. À la moindre menace, ces hommes te tueront. Je ne suis pas venu te menacer. Explique-moi pourquoi les Templiers te laissent agir à ta guise. Je ne suis qu'une messagère. Mais avant de me juger, rappelle-toi que leur argent, comme tout autre, permet d'acheter la liberté de tes frères. Je connais cette marque. Tu ne connais rien. Tu as la marque d'un esclave. L'éloquence d'un lettré. Les mains d'un marin. Et la capuche d'un assassin. Et tu as peu d'armes. Tu as fait naufrage à cause de l'orage, non ? De quoi as-tu besoin ? D'un abri ? D'un navire ? La vente de ce paquet pourrait t'offrir toutes ces choses. Je n'ai besoin de personne pour les obtenir. Mais si tu peux prouver ce que tu avances... Nous pourrons sûrement réussir à nous entendre tous les deux. Tu veux jouer à ce jeu ? Fort bien. Dans ce cas, tu vas me rendre service. Augustin Dieufort est un homme très secret. Tu devras trouver son contact à la plantation et lui transmettre ce message du gouverneur. Augustin te fournira toutes les preuves dont tu as besoin. Répète ce mot de passe. Silipadodo, crabla va manger.
S'il n'y a pas dodo, Krabla va manger. Pas mal. Tu es convaincant, comme baryton. Maintenant, tu ferais mieux de partir, avant que mes admirateurs se fassent des idées.